Comment Jade a-t-elle disparu et comment a-t-elle été retrouvée? Si est la question qui reste pour l'heure sans réponse. La mère de la jeune fille, Karine Gelin, a assuré que sa fille avait été retrouvée dans un état de choc et qu'elle n'avait pas fugué. Elle a été emmenée de force pour de très sombres raisons. La police fait son travail et je ne dois divulguer aucune information pour l'instant, avait-elle raconté vendredi 27 août 2022, lorsqu'elle a été retrouvée 48 heures sans avoir donné de signe de vie. Seulement, Capucine Anna a mis en cause le témoignage de la mère de famille. Elle a révélé que Jade avait déjà disparu en 2020, dans les mêmes circonstances et qu'elle avait été retrouvée de la même manière. J'espère sincèrement Madame Karine Gelin que vous nous prenez pas pour des cons avec des histoires aussi graves, avait ainsi écrit sur son compte Instagram celle qui est enceinte de son premier enfant. Devant de telles allégations, Karine Gelin a décidé de sortir du silence. Je suis sans voix par le déferlement de haine provoqué par des personnes qui supputent des réalités. J'ai été surprise d'apprendre ainsi qu'une adolescente ne pouvait jamais disparaître sans donner signe de vie plus d'une fois dans sa vie. Je suis vraiment attristée que des personnes puissent trouver du plaisir à m'insulter et me menacer, je vous plains sincèrement. Une enquête est toujours en cours sur la disparition de Jade. Dans le même temps, elle a tenu à préciser qu'une enquête était toujours en cours pour faire toute la lumière sur la disparition de sa fille et qu'elle ne pouvait donc pas donner plus de détails. En revanche, elle réclame la tranquillité pour qu'elle et sa fille puissent se remettre le mieux possible du traumatisme.